Bonjour à tous, ou rebonjour plutôt pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes revenus au château policier pour pouvoir visiter certains endroits qu'on n'a pas eu le temps de visiter la dernière fois ou de revoir aussi certaines pièces les plus belles en filmant plus tranquillement. Pardon. Donc là, on est parti. Nous revoici à l'intérieur. Donc, on commence par la première pièce qu'on avait visitée avec Aïcha. Donc voilà, j'avais pas pris le temps de correctement filmer le plafond pour vous montrer un petit peu la beauté de cette pièce. Donc là, je rappelle que cette vidéo sera principalement pour prendre le temps de bien filmer les plus belles pièces de ce château policier. En restant discret parce que si vous avez la première vidéo, vous savez bien qu'il y a des voisins pas très très loin. Donc ça c'était une plus belle pièce du château. Alors pourquoi plus belle pièce? Parce qu'on a encore du papier fin d'époque. Voilà quelques personnes qui ont fait des choses un peu plus personnelles dans ce château. Bah alors Pedro, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal? Et donc là, on avait ici qu'on suppose être à l'époque une salle de bal, en tout cas ça y ressemble beaucoup, ou que vous aviez pu voir la magnifique danse d'Aïcha. Ah, ah oui, je veux bien, ouais, merci. Voilà, donc ça c'est pareil, j'avais pas pris le temps de le filmer correctement. Ouais, ça c'est récent. Donc les gravures au plafond avec des scènes dessinées. Voilà, donc le plafond qui est d'époque, qui est superbe. Non. Pareil, hein, les fenêtres qui sont d'époque, je vais pas trop filmer par là parce qu'avec les voisins, on ne sait jamais. Peu qu'il y ait des trucs là. Et aussi, je vais retourner dans la salle où Aïcha voulait piquer un petit carreau. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'était ici. Donc là, on a des sortes de vitraux. Sans doute d'époque aussi. Voilà les amis, donc je fais une nouvelle coupure et je vous reprends
dès qu'on accède à des pièces un peu plus jolies ou qu'on n'avait pas le temps forcément de visiter. Voilà, à tout à l'heure. Donc les amis, on se retrouve à l'endroit où sur la première vidéo on avait eu un PVE avec Aïcha qui nous disait remonter. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous remontre comment c'est foutu ici. Donc on a tout un espace grenier, sachant qu'on se trouve dans une petite tour du château. C'est ça qui est très étrange. Rien que là, je sens une odeur déjà. Voilà, vous voyez là, ça continue, il y en a des petits escaliers qui montent dans la tour. Et donc là, on avait une espèce de chambre. C'est une pièce. Ouais, je sais. C'est là ? Ouais. Moi, je sais pas, ça sent rien. Je pensais que la pièce était l'espace. Ah non, c'était ici. C'était là. Bah, après, peut-être que le skeleton, elle s'est ouverte entre temps et du coup, ça fait retirer les odeurs. Hein ? On peut essayer le pot si vous voulez. Hein ? On peut essayer le pot en plus du cadeau vite fait. Ouais, on va aller manger peut-être et puis on verra après. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Comme ça on sera tranquille. T'as pas l'air. C'est pas où il y avait une petite fenêtre, peut-être bizarre la fenêtre, comment on l'a fait cacher. Ah non, ça c'est une autre pièce. Non, non, c'était là qu'on a entendu le PVE. Tu te rappelles plus ? Si, mais je pense que c'est l'autre pièce. Non, c'est là. Et c'est quand on est. Bah on était plus poil là, tu vois. Bah oui, c'est sur rien. Là on descendait, c'est là que ça a dit remonter. Juste sur le toit au-dessus. Y'a rien. Y'a rien. Ça faisait longtemps. Y'a rien. Y'a rien. Bah soit on va par là pour montrer au padré. C'est bien de revenir quand même, parce que c'est vrai que des fois on prend plus le temps de voir les choses. Ouais. Il y a une bouche. C'était quoi que tu faisais ici ? Ça a servi de soigner les maladies mentales. Ouais. C'était pour qui était, puis c'était pour les handicapés mentaux. Et apparemment ça aurait aussi servi de maison de retraite d'après ce que j'ai pu voir. Des ici ou pas? Alors sans doute. Qu'est-ce qu'il y a? Sortie de secours. C'est une chambre. Ouais. Bah je veux pas sortir. Bah tu sautes par les fenêtres. Je veux la sortie. Sortie. Je veux pas sortir. Bah c'est bizarre. J'avoue c'est chaud ce qu'ils ont fait. Bah. C'est pas une sortie. Et là, on a fait ça. Ça me dit rien là. Ah non, ça me dit rien. Bah, je sais pas, ici on n'a pas fait. Je pense qu'on a rendu. Bah, on n'y a pas été là. C'est bizarre ici. Faites attention avec le sol. Pont de ouf ici. Putain, on a pas vu ça. Attends. C'est dangereux de se promener en fait. Ah, je me sens pas à l'aise ici. Je me sens pas bien. Non. Ah, voilà. Ouais. Je sais pas. Moi aussi. Je sens oppressé. Ouais. Non. Ah, ouais. Tu sais, comme je dirais, oppressé, du stress. Ouais. Je me sens bizarre. Je pense qu'on pourra tester ce soir ici. C'est toi ? Oh putain. Chose là où c'est sûr. Il y a quelque chose là où. Oui, ah bah là je me sens au milieu. Ah ouais moi aussi, mais je me sens mieux direct. Ouais. Hein, je me sens au mieux direct aussi. Non, ah ouais. Dès que je suis sortie de la pièce, je me sens mieux. Ah ouais, moi aussi.
ça m'a fait le même effet. Je peux respirer. Ouais, c'est ça. Comme si on nous bloquait, tu sais, ou pressait, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est peut-être moins sensible que nous. Ouais. On est sorti. Ça, c'est un placard. Putain, mais en fait, on n'avait pas tout fait. Hein. Elle est là, la sortie. Ah. Ouais. Après, le K2, est-ce que c'est fiable à 100%? Je me pose la question. Je me demande si K2 c'est fiable à 100%. Ouais, c'est pas de route et puis, ouais, il y a eu des trucs quand même, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il faudra vraiment qu'on essaie avec d'autres poses. On va juste faire avant de partir ce qu'on n'avait pas fait. Une cave et puis les bâtiments et puis par là. Non. Ça souffle ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si on peut sortir. Ouais. Oh là là. Et ça fait film d'horreur, ça arrive la nuit. Ouais. Ça fait film d'horreur la nuit. Ouais. Putain, ça fait vraiment flipper. Donc les amis, la nuit commence à tomber. Donc on va visiter pour commencer la cave qu'on n'avait pas faite la dernière fois. Les petits bâtiments de l'avant. Ensuite, nous allons manger et après, on se retrouve pour une enquête paranormale. Donc là, on se dirige vers la cave. On l'avait pas vu. Des caves ici. Est-ce qu'il y a un esprit ici? C'est quoi ça? T'as entendu? Oui. Ah. Bon, on croyait qu'il y avait quelque chose, hein, si ça y est. Il y a un fantôme. De rechange hein, s'il y a besoin, mais normalement non. Attends, je voulais visiter ça. Donc les amis, nous voici dans des pièces qu'on n'avait pas fait la dernière fois parce qu'on avait peu de temps et que on entendait du bruit, donc du coup on s'était barré là. Prendre le temps de fumer quand même parce que ça risque de vous donner le tournis ici. Non.
T'en as pas toi dans ta voiture? Non. Non. Bah pourtant normalement elle est pleine. C'est le vent qui a fait claquer la porte. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, encore des journaux qui ont été collés partout. Attends, on voit bien avec ta lampe. Hein. Ouais. Ce sera en plein jour, putain. Il fait ouais, ça éclaire bien. Ah, c'est génial. Ça va être en plein jour. Je crois que j'ai mis des piles neuves. Ouais. Bon là c'est pareil, le même système. Je ne vais pas rentrer, je vais juste vous montrer de l'extérieur du coup. Parce que bon, rien de spécial. Et enfin, pour terminer sur les pièces qu'on n'avait pas visitées, donc cette partie-là également. Voilà les amis, donc c'était la première partie de notre expédition. Donc on se retrouve juste après pour une enquête paranormale.